Je m'appelle Tommy Boucher, je suis juré pour les Pays de la Loire en métallerie. Je suis donc à la fois juré et préparateur pour Guillaume Oswald qui est candidat. J'ai un double rôle pendant ces finales nationales qui est donc de noter les pièces des candidats sur des sujets très objectifs avec des cotations qui sont réglées à plus ou moins 1 mm voire plus ou moins 0,5 mm. Et en amont de cette compétition, j'ai donc préparé ce candidat-là sur des principes et des thèmes physiques, techniques et psychologiques. Donc ça consiste vraiment à préparer cette culture de la gagne qui nous anime, nous, en interne, pour pouvoir le préparer au mieux à cette compétition. C'est quel type d'entraînement ? Alors on a des entraînements qui sont techniques, on reprend des sujets des années précédentes. On a des préparations psychologiques, on vient vraiment discuter, on vient vraiment creuser au plus profond du candidat pour connaître un petit peu ses peurs, ses douleurs, ses doutes. On vient vraiment sculpter le candidat pour vraiment le faire performer. Et puis on a aussi une préparation physique qui consiste à travailler sur des courses d'orientation, du VTT, qui nous permettent vraiment de pouvoir adapter ce qu'on appelle la prise de recul et retrouver en fait des valeurs dans le sport que l'on peut retrouver dans une finale nationale ou en plus. C'est quoi le rythme à peu près des entraînements ? Alors il faut savoir qu'on a fait à peu près 126 entraînements en 2 ans et demi. Donc c'est un gros rythme, c'est une très grosse cadence. Il ne faut pas non plus trop fatiguer le jeune, mais en même temps il faut garder un rythme. Et avec ces 3 reports de finale nationale, il a fallu bien évidemment pouvoir s'adapter. Merci beaucoup.